Depuis toujours, j'ai vécu au milieu des masques. Mon père travaillait beaucoup en Afrique à l'époque de ma naissance. Il en ramenait souvent des masques que mes parents accrochaient ensuite au mur. Lorsque, enfant, je me levais la nuit pour aller aux toilettes, je devais braver le regard vide de ces masques qui ornaient chaque pièce de la maison. T'as jamais eu l'impression qu'ils te regardent, les masques ? Non, moi j'ai l'impression de les regarder. Je vois qu'ils regardent, plus ou moins, oui. Mais pas qu'ils te regardent, toi ? Non, pas vraiment. Il s'agit non pas de masques, mais de cimiers, c'est-à-dire de pièces qui sont posées sur la tête, des sculptures de bois qui sont... Alors, des sculptures de bois, il y a une sculpture de bois et il y a un crâne, qui sont recouverts de peau animale, et pour l'une d'entre elles, de véritables cheveux, des objets très, très proches de la figure humaine, très naturaliste, presque réaliste. Donc, ces objets sont trop... Enfin, on a vraiment l'impression de tenir des têtes, et pour l'une d'entre elles, bien sûr, quand on la manipule, on a vraiment l'impression de toucher exactement ce que c'est. En fait, un crâne humain recouvert de peau, donc ce qui renvoie beaucoup plus au cadavre que l'os sec, sans chair, sans rien, avec cette expression, les yeux qui sont à la fois ouverts, mais faits avec des billes de plomb, donc complètement vides, et cette bouche ouverte, cette mâchoire ouverte, avec quelques dents qui restent, et puis en fait un trou sombre qui s'ouvre sur la face comme un cri ou comme une sorte de malédiction, enfin quelque chose d'assez vivant, qui rend l'objet extrêmement désagréable pour moi à regarder, assez terrifiant, et vraiment que j'ai horreur de toucher. Les masques qu'on a chez nous, chez maman et chez toi, ils sont pas très réalistes. Ils sont pas aussi réalistes que ces deux-là. Moi, je pense pas que ce soit ce côté réaliste qui me gêne. Enfin, j'aimerais pas avoir ces trucs à la maison, mais ceux qu'on a, ils me faisaient peur, même en étant vraiment stylisés. Et je pense que d'une certaine manière, c'est ce côté un peu abstrait qui me dérangeait, parce que ils ont pas d'yeux, ils ont juste des trous, et accrochés dans le couloir, ça leur faisait des espèces d'yeux blancs qui me suivaient partout où j'allais. Mais toi, ça t'a jamais mis mal à l'aise ? Non. Ça ne m'a jamais fait peur. Mais t'en as jamais accroché dans ta chambre ? Ah non, dans la chambre, jamais. Et pourquoi ? Je ne saurais pas dire vraiment... Avoir autour de soi des masques dans un espace où on travaille ou dans une bibliothèque, pourquoi pas ? Mais dans une chambre, non. Là où on dort, non. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir peur ou d'être impressionné par des masques ou des œuvres, pas forcément celles qu'on a chez nous ? Parmi les œuvres du musée qui me, j'aime pas dire qui m'impressionnent, mais qui me touchent ou qui me donnent de la, enfin qui m'affectent, auprès desquels je pourrais pas rester des heures. Là, j'ai à l'esprit une tête humaine qui a été complètement écrasée, complètement déformée. Il n'y a plus de crâne, c'est juste de la peau sèche, mais on voit une oreille, on voit des cheveux, on voit là, ça. Ça, c'est lourd. C'est lourd. Ça, je le manipulerai avec une certaine distance, mais je ne travaillerai pas des heures dessus. Ouais, c'est pas... Toi, quand tu travailles à la maison, tu peux passer des heures en face des masques et ça te fait rien ? Non, rien. Et dormir en face d'eux, c'est pas pareil ? Ah, c'est différent. Quand j'étais enfant, par exemple, il m'est arrivé de dormir chez une tante, dans une pièce où il y avait des visages au mur. C'était des têtes de chérubins en bois, je crois. Il y en avait trois, côte à côte. Et dormir dans une pièce où il y a un visage au mur, un masque ou bien un portrait, c'est même maintenant quelque chose d'assez inconfortable. Je dors, mais pas eux. Eux, c'est comme s'ils continuaient d'observer. Par contre, les têtes qu'on a vues tout à l'heure, je pourrais même pas en avoir une chez moi, nulle part. Mais les masques en bois que je possède, non, ça ne me fait pas cet effet-là. Donc tu les aimes juste par considération esthétique ? Esthétique, mais affective aussi, parce que je suis assez attaché aux pièces que j'ai achetées, les toutes premières, je les ai achetées au Rwanda. C'est avec elles que j'ai découvert l'art africain, en tout cas de la région du Zaïre. T'accordes pas du tout d'importance à leur statut ? Non. Alors, la plupart, ce sont des objets qui n'ont pas servi, ce sont même souvent des copies. Puis je connais pas très bien leur utilisation. Et même lorsqu'une statuette ou un masque a servi et que je le sais, pour moi c'est une œuvre, ce n'est pas un objet magique. Donc c'est une appréhension distanciée. C'est là que
notre rapport à l'œuvre change. Donc on peut avoir une appréhension globale face à la dimension symbolique de l'œuvre. Et puis après, on est quand même restauratrice d'œuvres d'art et on doit faire un peu abstraction de cette charge émotionnelle. Et justement, on s'applique à ne regarder que le matériau constitutif de l'œuvre. Et là, on oublie quoi. On n'a pas à y toucher souvent, on ne les nettoie pas. Mais on doit les inspecter parce qu'elles ont beaucoup de matériaux organiques qui les constituent. Et donc, une fois, je devais le faire et je me suis retrouvée toute seule dans la boîte, au milieu de ces effigies qui m'ont un peu impressionnée. Parce que voilà, elles sont nombreuses, elles te regardent. Qu'est-ce que je ressens par rapport à ces effigies en face d'elles? C'est... Je saurais même pas, en fait, je saurais même pas expliquer. C'est juste... Ça, c'est impressionnant, quoi. Enfin, c'est... Ma collègue m'a rejointe et finalement, c'était plus facile. Voilà. À deux pour affronter tous ces regards. Moi, ces regards, ça me donne vraiment le sentiment d'une présence. Quand j'étais petite, c'est comme si des gens étaient plantés là à me regarder marcher dans le couloir où je passais. Et ces yeux vides, où que je me place, j'ai toujours l'impression qu'ils me regardent. Et c'est ça qui me met tellement mal à l'aise, en fait. C'est aussi pour ça que les statuettes, ça me dérange moins. Elles ont des tout petits yeux, elles n'ont pas ces grands orbites vides. Dans les statuettes que t'as, toi, t'en as qui sont des fétiches? Ah non, j'ai pas de fétiches. Je voudrais pas du tout en avoir. Sur ces statuettes, la plupart de ces médicaments, cet amalgame qui est placé sur la statuette, sont fermés, sont placés dans la statuette, dans une cavité, qui est fermée par un morceau de verre ou un miroir. Ce que je n'aime pas, c'est de voir mon regard se refléter dans ce miroir. C'est souvent, en fait, un effet de surprise, c'est-à-dire que je suis en train de manipuler l'objet ou je suis en train de l'installer. Donc, je suis quand même assez proche de l'objet. Et tout à coup, je me rends compte qu'il y a un œil dans son œil ou au niveau de sa tête ou au niveau du réceptacle qu'il a sur le torse, sur le ventre. Je me rends compte qu'il y a un œil qui est en train de me regarder. C'est quelque chose qu'on arrive à tout de suite... tout de suite identifié, hein, on est vraiment capté par un regard, et son regard c'est le mien, mais l'espace d'une demi-seconde, ça lui a donné quelque chose de vivant, de... brusquement il a l'air de capter une partie de moi, peut-être parfois sans que je le voie, et quand il me la renvoie, du coup j'ai l'impression que c'est lui qui opère un mouvement. Pourquoi tu nous as jamais dit que tu avais peur des masques? Mais je vous l'ai dit. Mais je me souviens pas. Si, maman elle s'en souvient, on en a reparlé il y a pas longtemps. Et elle m'a même raconté que je lui avais demandé de les enlever du mur quand j'étais petite et qu'elle n'avait pas voulu, parce que comme elle savait que c'était des masques qui ne pouvaient pas me faire de mal, elle trouvait que ma conduite était magique et que accepter la peur de ces masques était, je sais pas, c'était valider leur soi-disant pouvoir mystique. Et du coup, elle avait refusé de les enlever. Sauf que moi, je ne savais rien de leur pouvoir, je ne savais même pas qu'ils étaient supposés en avoir. J'avais vraiment juste peur de leur apparence. Mais l'objet qui me fait le plus peur, c'est en fait un objet, un bisongo des collections Amérique, donc, qui n'est pas du tout loin de la collection Afrique. Et c'est vraiment là quelque chose d'impressionnant. On dirait presque un personnage de film d'horreur. Il est composé d'un vrai crâne au niveau de la tête. Et je pense que ça se sent immédiatement. C'est une effigie, une figurine un peu vaudou, justement, assez violente, elle est rouge et noire. Il a une énorme paire de ciseaux en main, donc on est un peu là vraiment dans l'imaginaire du film d'horreur. Et puis il est recouvert de petits morceaux de miroir. Et justement là, quand on passe devant, on peut être, quand on s'approche, je veux dire, c'est autant d'ouvertures sur son monde à lui qui sont présentes pour moi. Et effectivement, j'évite de l'approcher trop près. Celle-là, même effectivement, si on travaille à ne regarder que le matériau, enfin, la puissance de l'œuvre est tellement forte que quand même, quand on ouvre la vitrine, on fait ouf, c'est violent. Il a une taille quasiment humaine, hein, peut-être d'un petit être humain, mais il est vraiment beaucoup plus proche d'un être démoniaque tel qu'on l'a dans l'imaginaire même occidental que d'un objet de musée. Pourtant, ça reste un objet de musée, c'est un objet rare.
un objet à protéger, un objet de collection. C'est pas un objet qui est actif ici dans le cadre du musée, mais on sent qu'il a été actif il y a pas longtemps ou qu'il peut le redevenir, et c'est ce que je me souhaite pas, c'est être là si jamais ça intervient.